Je m'appelle Angelina Ballerina. Et aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un qui avait des super pouvoirs. Le volcan se mit à gronder. Oh non! Il était sur le point d'entrer en éruption. Oh non! Lorsque soudain, une musique héroïque retentit dans l'atmosphère. Super Suzy s'envola jusqu'au volcan. Zoom! Elle utilisa sa super force pour lancer un énorme rocher sur le cratère. Plouf! Super Suzy a sauvé le monde. Hourra! Encore! Encore? Mais je te l'ai déjà lu 5 fois. Encore une fois, s'il te plaît. Bon, d'accord. Suzy croyait qu'elle était une petite souris comme les autres. Mais un jour... Bonjour maman! Bonjour Pauline! Sa sœur fit irruption. Regardez ce qu'on a appris aujourd'hui. Oui. Oh là là. Ça s'appelle un Sisson. Et c'est tellement amusant. Oui. C'est très amusant. Si vous voulez bien nous excuser, Pauline et moi étions en train de lire un livre. Pour la 6e fois. Waouh. Il faut croire que cette histoire est vraiment fascinante. Tiens. C'est le livre le plus génial. Super Suzy. Oh oui, je l'adore. Qu'est-ce qu'elle raconte, Pauline? Super Suzy a des super pouvoirs et elle peut même voler. Elle possède aussi une super force. Sa couleur préférée, c'est le rose. Et sa nourriture préférée, c'est le fromage. Comme moi. C'est vrai, je suis comme Super Suzy. Peut-être que moi aussi j'ai des super pouvoirs. Peut-être que... je suis Super Pauline. À l'aide. Super Pauline à la rescousse. Beau travail, Super Pauline. Pour la peine, tu pourras veiller plus tard ce soir et jouer avec tes poupées. Oui. La planète Terre appelle Pauline. La planète Terre appelle Pauline. Attends, tu veux dire Super Pauline? Je crois qu'elle était dans la lune exactement comme toi, Angelina. Ça doit être de famille. Comment Super Suzy est devenue une héroïne? Je ne m'en souviens plus. Super Suzy acquit ses super pouvoirs lorsqu'elle entendit un air de fanfare. Alors, tout ce dont j'ai besoin, c'est un air de fanfare. Qu'est-ce que c'est un air de fanfare? C'est un air de musique très rythmé et très entraînant que l'on joue lors d'occasions spéciales. Comme quand Suzy est devenue une super héroïne. Les fanfares sont le plus souvent composés de trompettes. Tu en as vu dans le magasin de papa. Oh, est-ce qu'on peut y aller? Peut-être que si papa joue un air de fanfare... De fanfare, Pauline. Oui, si papa joue un air de fanfare à la trompette, j'aurai des super pouvoirs. Oh, eh bien... S'il te plaît, maman. Si je suis une super héroïne, je pourrais sauver des gens, tu sais. Bon, c'est d'accord. Hourra! Youhou! Ceci est une trompette. Pour faire de la musique, il suffit de souffler dedans avec sa bouche. Puis, on appuie sur ces boutons appelés des pistons pour jouer des notes. Regarde. Ça alors, c'est vraiment très chouette. Maintenant, je vais te jouer un air de fanfare. Wow! C'est super! Excellent! Chouette! Tu peux aller jouer ça dans le parc? Oh, non, pas maintenant, chérie, j'ai du travail. Mais si tu veux, je peux t'enregistrer cet air sur le lecteur de musique. Et tu pourras l'emporter au parc. Papa, s'il te plaît. Oh,
Voilà. Écoute. Oh, Pauline, pourquoi est-ce que tu tiens à jouer un air de fanfare dans le parc? Parce qu'il faut que je sois dehors quand je m'envolerai. Sinon, je vais me cogner la tête au plafond. Ah, oui, c'est logique. Non, ce n'est pas logique. Tu as dit quand tu t'envoleras? Oui, je crois que j'ai de super pouvoirs. Oh! Eh bien, c'est fascinant. Oui, au revoir. Au revoir. Vous me direz comment ça s'est passé? J'ai besoin de place pour voler. Parfait. Tu peux jouer l'air de fanfare, Angelina, s'il te plaît. Au revoir, tout le monde. Est-ce que tu peux monter le volume? Ça ne marche pas. J'ai une idée. Peut-être que tu devrais commencer avec un super pouvoir plus facile. Oui, comme la super force. Je vais aller soulever notre maison. Pauline, je ne crois pas que maman serait d'accord. Ça ferait du désordre si tu essayais plutôt de soulever ce banc. Oh, oui, rien de plus facile pour super Pauline. Elle ne pourra pas le soulever. Ce banc est beaucoup trop lourd. On n'a qu'à le soulever pour elle. Mais faites en sorte qu'elle ne vous voit pas. Venez. J'ai comme l'impression que c'est un super banc. Essaie encore, Pauline. Je sais que tu peux y arriver. 1, 2, 3. Levez. Oh, j'ai des super pouvoirs. C'est facile. Non. Oh, regardez la coccinelle. Et pourquoi le banc est encore en l'air? C'est vous qui le souleviez. Pauline, pardon. On sait que tu as envie d'avoir de super pouvoirs. On voulait seulement te faire plaisir. Oh, je suis vraiment, vraiment mal contente. Qu'on ait soulevé le banc pour toi? Non. De n'être super doué pour rien du tout. Toi, tu es super doué à la batterie. Et en orthographe, et pour raconter des histoires, pour m'occuper des animaux domestiques, et aussi... Marco. Hop là. Et toi, Victoire, tu es super doué en dessin. Toi, Angelina, tu es une super danseuse. Moi, je ne suis super douée pour rien. Ne pleure pas, Pauline. Tu es forcément super douée quelque part. Oui, on est tous super doués pour quelque chose. Il nous suffit de découvrir de quoi il s'agit. On va essayer de trouver ce pourquoi tu es super douée. D'accord. Très bien, Pauline. Voilà un certain nombre d'activités pour toi. Il y en a forcément une dans laquelle tu excelles. Oui. Oui. 1, 2, 3. Parce qu'on t'a entendu chanter. Et on a vu tes pieds qui dépassaient. Oh, même pour jouer à cache-cache, je suis vraiment pas douée. C'était bien l'air de la fanfare que tu étais en train de chanter? Oui,
J'adore cette musique. La 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 la. Et tu la chantais tellement bien, tu sais. Pauline, on a découvert ce pourquoi tu es super douée. C'est pour chanter. C'est vrai? Oui. Oh, je viens d'avoir une idée. Si on écrivait des paroles sur cette air de fanfare, et ensuite Pauline pourrait les chanter. Ah, c'est vraiment une excellente idée, Marco. Oui. On applaudit bien fort. Super Pauline, la super chanteuse. Ma super petite sœur. Ah, merci à tous. Merci beaucoup.